J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne si tu es nouveau, si tu es nouvelle. Abonne-toi, commente, like et partage. N'oubliez pas de cliquer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos que je serai en train de poster. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo où c'est un haul de vêtements. Donc moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire le shopping, j'ai fait un petit shopping online. Ce sont des robes à peu près 7 ou 6, il y a et marque Shein, je pense que tout le monde connaît, et ceux qui ne connaissent pas, je pourrais toujours mettre en barre d'infos pour que vous puissiez aller passer un tour là-bas. Il y a des très bonnes choses, moins chères en plus, donc je me suis j'ai fait plutôt un petit tour là et je me suis quand même prise pas mal de robes que j'ai beaucoup aimé. Ce sont des robes fleuries comme celle-ci hein, que j'aimais là maintenant. Je vais vous présenter comment ça me va et voilà, on va passer à la vidéo. Bisous. Ok, so the first dress I'm going to start with this one I'm wearing right now. C'est une robe rose. Le détail, ce sont deux fleurs. Et là, c'est en élastique jusqu'en bas. Je vais vous montrer comment ça me va. C'est une robe que j'ai beaucoup aimé la couleur, surtout le rose et le chocolat. Donc, vous pouvez porter, je ne sais pas, en dîner ou avec des amis, partout. Hein? Pas dans la fête, non, 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 non. Mais juste dîner avec Bae ou Charles, elle est trop bien. Et la seule chose que j'ai trouvée, que je peux un peu commenter dessus, c'est quand on s'assoit, elle a tendance à monter. Vous voyez quoi, ce genre de robe. Mais sinon, j'aime beaucoup et voilà, c'est comme ça qu'elle se présente. Donc la deuxième robe, nous allons passer toujours sur ces genres de robes avec des fleurs. Donc j'ai pas mal pris presque toutes les robes. Yeah, toutes les robes sont de taille de fleurs. Et donc celle-ci, elle est trop wow, trop wow. Un peu oversize au-dessus comme ça. Mais j'ai pris la taille M parce que moi j'ai mis la taille M, ouais. Voilà, donc c'est une robe là avec monsieur. Je sais pas, dans une petite soirée là ou dans un petit bar, vous prenez un verre, ça dépend. En bas c'est comme ça et justement ça tient très bien la taille, disons. Ça a mis vraiment mon corps en valeur. Donc voilà comment elle se présente et les détails sont vraiment waouh. Les élastiques là au niveau de la poitrine jusqu'en bas. Après, ça fait un truc comme ça, ici. Mais aussi, les bras sont pareils. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Voilà. So, pour la troisième robe, j'ai pris une petite robe toujours en mode fleur. C'est blanc. Et le détail, c'est pas chocolat, mais c'est un truc genre rose. Vous voyez, c'est un peu rose là. Mais le rose qui n'est pas trop shine, vous voyez ce que je veux dire ou pas. So, il est comme ça, au devant, vous pouvez nouer ici, en deux, vous fermez comme vous voulez. Elle est trop belle avec des babouches Hermès ou je sais pas. Vous pouvez toujours passer, voir. Je l'ai pris aussi en taille M, voilà, M, c'est du 36. So, voilà. Elle est trop belle, mais la seule chose que je dois juger par rapport à la robe, elle est un peu trop courte pour les gens qui ne sont pas confortables. Mais moi, en tout cas, ça va. Avec ça, je vais pouvoir être classe. Voilà. So, c'est parti pour la quatrième robe. Donc, j'ai pris aussi une robe comme ça, toujours fleurie, hein, blanche, avec des détails bleus. Papa, you wake up? C'est mon fils qui est arrivé. Ok, avec le détail bleu, elle est longue comme ça et derrière c'est sexy. Hein? Derrière c'est comme ça. Vous pouvez toujours fermer là. Là vous pouvez toujours fermer comme ça et le devant est comme ça. Trop belle à l'église avec des petits sandales, ça fait l'affaire. J'ai beaucoup aimé.
La cinquième robe, je pense que vous connaissez. J'ai fait une photo avec une fois. Elle est trop belle, j'aime beaucoup. C'est comme ça, les détails en fleurs toujours. En fait, j'ai l'impression que ce genre de couleur, ça va avec ma peau. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Waouh! Yeah. Mais elle met toujours ma peau en valeur et ma taille, hein, ce que je voulais dire. Voilà les couleurs comme ça. C'est trop beau avec les détails ici, les bras comme ça. C'est un peu. Mais ce que je peux juger là, c'était tout de suite en ce moment, j'ai des seins un peu bombés là. J'ai tendance à l'air petit là. Voilà. On passe à cette robe que j'ai grave aimée. J'aime beaucoup la couleur sur mon corps. Elle est trop belle. Vous allez voir donc en bas. Voilà, c'est comme ça. En bas, c'est comme ça. Elle est trop courte aussi, mais ça tient très bien la taille. Et le bien avec la robe, ça ne monte pas du tout. Même quand tu t'assois, tu es confortable. Sauf que là, j'ai pas trop compris c'était quoi les détails avec. En fait, ça, normalement, ça doit rester comme ça. Mais après, je sais pas comprendre pourquoi ça est en train de faire des va-et-vient. Genre, ça tourne deux fois et tu vois. Donc, c'est seulement ça. Mais sinon, là, à partir de là, c'est trop beau. Hein, sur le corps, je ne sais pas si vous combinez avec un petit blazer noir pour que ça cache un peu les trucs au cas où ça tournait. Ça pourrait faire l'affaire. Voilà. Hi, baby. Hi, Lulu. You were so cute. So, yeah, la dernière robe que j'ai prise, c'est une robe très sexy. I mean, this dress is like, girl, I'm not your friend, don't play with me. Je vous jure que c'est une robe trop sexy. Je sais pas si vous avez remarqué, ces jours-ci, je vois des gens, des influenceuses, des youtubeuses, et tout le monde est en train de mettre, genre, c'est quelque chose, je sais pas comment vous expliquer, mais vous allez voir en photo. Là, c'est un truc comme ça. Et puis ça tient les seins et ça fait l'affaire. Sauf que j'ai beaucoup aimé la couleur. Et pendant que j'étais en train d'acheter, je vous dis, j'ai montré à mon mari, il était genre, c'est quoi ce truc? Mais au moment où j'ai essayé, il a grave aimé, il a dit, c'est trop beau, blablabla. Tu vois, en vacances, ça, c'est vraiment une robe pour aller en vacances. Je sais pas, quelque part en Jamaïque, tu vois, côté un restaurant au bord de l'eau, un truc comme ça. Elle était aussi pas mal, trop belle. Elle a grave pris ma taille, surtout en bas. Mais c'est juste, je sais pas si je peux mettre ça où. Peut-être en vacances quelque part. Hein. Mais juste comme ça, je ne me vois pas mettre ça parce que j'ai trouvé aussi qu'elle était trop petite au niveau des seins. Avec, tu vois, avec mes seins pour le moment, c'est l'affaire. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai acheté, les gars, et ça ne m'a pas coûté trop cher. Je pense que j'ai utilisé, c'était 80 quelques dollars. Oui, il est tout. Il y a aussi des coupons, faut aller vous en procurer. La vidéo n'est pas sponsorisée, pas du tout. C'est juste que je voulais partager un peu avec vous et pour les gens qui ne connaissent pas Shein, pour aller faire un petit tour là-bas. Il y a pas mal de trucs. Et comme l'hiver a commencé, je veux dire, il y a toujours des bonnes choses. Il y a presque tout là-bas. Il faut aller voir si vous êtes intéressé. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous êtes aussi fan de ces genres de robes fleuries comme ça. Ou bien les robes avec trop de couleurs, tu vois, des couleurs un peu qui frappent comme le rouge, rose comme ça. Ou bien les robes sexy comme ça. Dites-moi en commentaire. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi aussi si vous aimez les hauls. Je pourrais toujours en faire. J'aime trop faire du shopping. Genre, pas seulement le haul vêtements comme ça. Je pourrais faire décoration. Comme je suis en train de préparer un autre haul très bientôt qui n'est pas des vêtements, vous allez voir. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéos. Comme ça, je pourrais en faire de temps en temps. Merci de regarder la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, mais vous me suivez, abonnez-vous.
abonnez-vous, ça va me faire plaisir et ça va toujours m'encourager. Pour ceux qui sont des nouveaux, je vous ai vu hier, j'ai eu quelques abonnés. Merci beaucoup, je vous reconnais même sur mon Instagram. Et voilà, vous avez demandé des vidéos sur les recettes. Je me force de poster quand même des vidéos recettes et tout, mais je me rends compte que vos vues ont baissé sur les vidéos des recettes. Anyways, c'était juste une petite parenthèse. So, likez, commentez, partagez. And I will see you guys in my next video. Accenti!